Ce soir, on est en live and direct de l'Azalaï Hotel et à Dakar. Et oui, c'est le troisième jour de la Dakar Fashion Week organisée par Adama Paris. Ce soir, à l'Azalaï Hotel, c'est plusieurs stylistes internationaux que l'on va voir défiler. Et on a bien sûr un parterre de personnes et de personnalités qui vont venir voir ce défilé. Et on va en recevoir quelques-uns ici même sur ce plateau. Hello, how are you? I'm good, how are you? I'm fine, thank you. And who are you? My name is Mzuge Simbane, the designer for Imprint, showcasing tonight. Oh, and I imagine that what you wear, it's okay. And how do you choose what you will wear tonight? I wanted to go with black and white because I work a lot with color. So I wanted something that sort of like blends, but still exciting and has the drama. It is. Thank you. Okay, thank you to be here. Did you expect? Will you expect about Dakar Fashion Week today? I'm expecting a lot of fashion, a lot of quality, because it's more established designers. So I'm excited to see what great things are coming out tonight. Okay, We hope to. Thank you. We are happy to having you. Happy to be here. You guys are very nice. I'm happy to come back again. Thank you. Bonsoir. Comment allez-vous? Très très bien. Merci. Et vous? Très bien, super. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement aux spectateurs? Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle Léa Soukaina. Je suis présentatrice de télévision ici au Sénégal. Et je suis venue pour voir le grand défilé de la Fashion Week de Dakar. Et oui, ce soir, c'est le grand défilé avec des stylistes internationaux qui sont venus nous présenter leur nouvelle collection. Est-ce qu'il y a un styliste qui vous titille un peu plus? Il y en a deux, déjà Adama Paris et Elie Kwame aussi, que j'aime beaucoup. Le grand Elie Kwame. J'ai vu ses dernières collections là sur Instagram et vraiment j'adore et j'ai hâte du coup de voir toute la collection lors du défilé. Alors hier, on vous a croisé, vous portiez une tenue justement d'Adama Paris. C'est vrai. Et ce soir, alors, qu'est-ce que vous avez? Alors ce soir, c'est une robe d'un créateur que j'ai chiné, parce que j'aime bien chiner des petites robes de créateurs. Alors c'est pas un créateur africain, mais c'est un créateur grec. Voilà. Ok, super. Donc voilà, c'est des petites robes comme ça que j'aime bien chiner. Eh bien merci, merci beaucoup, merci d'avoir merci été quelques instants avec nous. Avec grand plaisir, très bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, je vais très bien, merci, et vous? Eh bien super. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Bien sûr. Hello tout le monde, je me nomme Gabrielle Dorcas Malanga. Je suis la créatrice de la marque IBG, Inspired by Gabi. Je fais partie des jeunes créateurs qui ont montré leur collection, leur créativité hier. Et aujourd'hui, je suis là pour le grand défilé. Yes. Eh bien, bravo déjà, bravo d'avoir participé hier au défilé qui s'est déroulé donc, au cours de la Dakar Fashion Week. Ouais. Là, on est au jour 3 avec des créateurs internationaux. Est-ce qu'il y a des créateurs qui vous titillent un peu plus, que vous avez vraiment envie de voir ce soir? Bien sûr, Adama à Paris. Ah oui. Vraiment. J'ai tellement hâte de voir sa collection, vraiment, je frissonne même. Ah. Et d'ailleurs, là, ce que vous portez, c'est une de vos créations? Oui, c'est l'une de mes créations. Le pantalon, il était tantôt hier, il faisait tantôt partie de ma collection d'hier. Oui. J'ai juste rajouté des petits motifs floraux, un peu floraux autant pour moi, pour un petit aspect jardin d'Éden. Jardin d'Éden, ouais. Okay, super. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour votre temps et puis à très bientôt. Merci. Super, merci. Bonsoir. Bonsoir, Ryan. Alors, comment tu vas? Oui, ça va, j'ai super bien. Et toi? Oui, ça va. Pas trop fatigué après le show d'hier? Oui, fatigué. J'ai chopé un peu la grippe, mais bon, ça va quoi. Alors, quelles sont tes impressions par rapport au défilé final de la Dakar Fashion Week? Oui, franchement, ce que j'ai vécu pour ces trois derniers jours, ça m'a vraiment marqué. Et puisque c'est ma première fois,
à la Dakar Fashion Week, que je présente une collection. Mm-hmm. Et ça a été toujours un rêve pour moi, un grand rêve même. Il vient d'être réalisé. Quoi. Et franchement, je suis très content, je suis très ému. Quoi. En tout cas, je suis très content aussi pour toi. C'est, voilà. Au moins, ton rêve s'est réalisé, c'est le plus important. Ouais, ouais. Alors, parle-moi de ton look aujourd'hui. De toute façon, tu es sapé là, franchement, mec, tu me dépasses à chaque fois en fait. Parle-moi un peu de l'inspiration derrière ce look. Ouais, tu as vu, c'est tout le temps, c'est toujours le design, la différence. Toujours, on essaie de sortir de l'ordinaire, de créer. C'est le nom même, le design. Donc, chaque fois, on essaie de faire du design, de sortir du commun, comme on dit. Quoi. En tout cas, ça te va à ravir. Je te souhaite de passer une très bonne soirée. Merci, merci à vous. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors, je suis madame Dokula Olga, en vacances à Dakar. Et je profite de cette occasion pour participer à ce grand événement qui me vient droit au cœur. Et... Ok. C'est la première fois que vous venez à Dakar? Non, c'est la deuxième fois. Et vous avez déjà participé à une Dakar Fashion Week? C'est toute une première fois. Ah, bah, génial. En tout cas, on est content de vous avoir. Alors, ce soir, vous êtes apprêtée pour cette Dakar Fashion Week. Oui. Comment vous avez choisi en fait votre tenue? Ben, j'ai choisi comme ça, j'ai mis une salopette. Ouais, vous aviez en envie. Ok, très bien. Si vous deviez définir justement Dakar en trois mots, qu'est-ce que vous diriez? C'est un pays de la mode. Ah bah, oui, tout à fait. Ouais, un grand pays de la mode. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup. De rien. À bonne soirée. Au plaisir. À bientôt, merci. À bientôt. Hello, how are you? I'm fine, how are you? I'm fine, thank you. We are happy to have you with us tonight. Thank you, it's my pleasure. cool, it's the first day of Dakar Fashion Week. And tonight we are at Azalai Hotel. Yes. For a big fashion show. Yes. What did you expect for tonight? Extravaganza, yeah, as usual. which is the face of Dakar Fashion Week. And also a connection, mm-hmm, between all the professionals, all the key players from this beautiful industry. Okay, and I think it's not your first Dakar Fashion Show? Yes, it's, yeah, the second. It's my second time taking part in Dakar Fashion Week. Tonight I'm presenting a collection. It's called Black Diamonds. Because I come from Angola, as you know, and Angola is a country rich, yeah, in diamonds. Yeah. But the people is poor. Mm-hmm. The majority of the people live in the poverty line. Okay. So this collection represents not only the richness of our subsoil, but also the sorrow, okay, of the people. Okay. I like touched you. To it. Thank, yes, you, ma'am. This, yeah. So this is a little introduction of what you will, okay, see. okay, cool. Thank you. Thank you for having me. It's a pleasure. You're welcome. Thank you. Thank you.